du tout! Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec ma vidéo sur comment avoir une bonne cotère. Récemment, j'ai fait une vidéo sur comment survivre au cégep. Je vais vous la laisser ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et je parlais un petit peu de qu'est-ce que vous deviez savoir avant de commencer le cégep et qu'est-ce que j'aurais aimé savoir. Dans cette vidéo-là, j'aurais voulu aborder le sujet de la cotère, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui prend une vidéo au complet et qui nécessite beaucoup de détails. Donc j'ai préféré faire une vidéo séparée. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer mes trucs pour avoir une bonne cotère, comment j'ai réussi à augmenter ma cotère de 2 points pendant la dernière session. Et dans la vidéo, je vais vous dire quelles sont les raisons pourquoi vous voudriez avoir une bonne cotère et pourquoi certaines personnes visent une cotère très haute. Mais avant de commencer, je tenais à préciser que c'est pas une cotère, c'est pas un chiffre qui va vous définir. Et avant de commencer, je tenais à le préciser parce que c'est vraiment pas les notes qui définissent qui vous êtes et c'est pas l'école qui va définir si vous êtes intelligent ou non, si vous êtes une bonne personne ou si vous allez aller loin dans la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo juste ici et à cliquer sur la petite cloche qui va être juste à côté pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo les mercredis et samedis. Et si vous aimez les vidéos sur l'école et le cégep, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à me dire dans les commentaires quelle vidéo de ce genre vous voudriez voir prochainement sur ma chaîne. Je prends toutes les suggestions et je vais essayer le plus possible de faire les vidéos que vous voulez voir. Et si ça vous intéresse de savoir comment avoir une bonne cotère, continuez à regarder. Premièrement, qu'est-ce que la cotère? La cotère, c'est un chiffre qui est utilisé par les universités pour faire la sélection des candidats qui vont être admis dans leur programme. Et le calcul est le même pour tout le monde parce que ce n'est pas les cégeps qui font le calcul de la cotère. Les cégeps n'ont aucun lien avec votre cotère. C'est pas eux qui décident et c'est pas eux qui la calculent. Ils font juste vous la transmettre. Ce n'est pas les cégeps qui s'en occupent. La cotère est calculée par rapport à trois choses. La première, c'est l'écart de vos notes par rapport à celles de votre groupe. Et quand je parle de groupe, je tiens à préciser que quand un professeur a plusieurs groupes pour le même cours, par exemple votre cours de français, votre professeur donne le cours à trois groupes, ben c'est tous les groupes qui sont inclus, c'est pas seulement le vôtre. Donc tous les groupes qui suivent le cours en même temps que vous, ça fait partie de la moyenne aussi. Deuxième chose qui est très importante par rapport au calcul, c'est l'écart type. Donc c'est la façon comment les notes se répartissent d'un groupe autour d'une moyenne. Par exemple, un groupe a une moyenne de 75. Si l'écart type est grand et que beaucoup de gens ont eu 60, mais beaucoup de gens ont eu 90 et vous avez eu 90 aussi, ben vous allez moins vous démarquer du groupe parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir 90, même si la moyenne est 75. Vous avez une grande différence avec le groupe, mais il y a beaucoup de gens qui ont à peu près la même note que vous. Et justement, si les notes se rapprochent beaucoup de 75 dans ce groupe-là et que vous êtes dans les seuls à avoir 90, ben votre note se démarque beaucoup et votre cotère va être plus grande dans ce cours-là. Troisième chose qui est très importante dans le calcul de la cotère, et c'est une nouveauté, c'est la force relative des étudiants. Donc maintenant, les notes du secondaire sont aussi incluses dans la cotère. Et plus vous vous trouvez dans un groupe qui était fort au secondaire, plus vous avez des chances d'avoir une bonne cotère. Malheureusement ou heureusement, les personnes qui sont en échec dans le cours ne sont pas calculées dans la moyenne, donc les gens qui n'ont pas passé ne font pas partie de la moyenne et ne peuvent pas baisser ou augmenter l'écart type parce que ces personnes-là ne comptent pas dans le calcul. Donc techniquement, une personne avec une bonne cotère aurait été dans un bon groupe au secondaire, un groupe très fort et se démarque aussi au secondaire tant qu'au cégep, donc a des notes qui se démarquent vraiment beaucoup de la moyenne. Et a une moyenne, donc un écart type qui n'est vraiment pas très grand. Beaucoup de gens qui se retrouvent proches de la moyenne dans son groupe et cette personne-là se démarque beaucoup de la moyenne. On entend souvent les étudiants du cégep dire qu'ils veulent une bonne cotère, qu'ils essaient de viser quelque chose qui est très haut et qu'ils essaient vraiment de mettre des efforts pour avoir une bonne cotère. Mais pourquoi ces étudiants veulent une cotère qui est haute? Bien, premièrement, parce que ces étudiants-là veulent sûrement être admis à l'université dans des programmes qui sont contingentés. Par exemple, les programmes de médecine, optométrie et pharmacie nécessitent une très bonne cotère, une cotère qui est de plus de 33 la plupart du temps. Ces programmes-là ont un nombre de places limité par année, donc c'est pas tous les étudiants qui peuvent entrer, c'est seulement les étudiants avec les meilleurs cotères qui peuvent être admis. Et là, je parle de cotères, mais c'est pas tout le temps seulement ça qui fait la différence. Des fois, il y a des programmes qui font avoir des entrevues aussi ou des lettres à écrire. C'est pas seulement la cotère qui entre en jeu, mais ces étudiants-là ne sont même pas appelés en entrevue s'ils n'ont pas assez une bonne cotère. Donc c'est pour ça que la plupart des élèves, surtout en sciences de la nature, veulent une bonne cotère parce qu'ils souhaitent entrer dans des programmes qui sont plus difficiles à être admis et qui nécessite une bonne cotère pour entrer, par exemple une cotère de 34 ou 35 pour pouvoir entrer dans un programme. Deuxièmement, pourquoi vouloir une bonne cotère? Parce que la plupart des universités offrent des bourses automatiquement aux étudiants qui ont une cotère en haut d'un certain nombre. Par exemple, je sais qu'à l'Université Laval, en haut de 31, ben vous avez une bourse automatiquement de plus de 2000$. Pourquoi dire non à un tel montant si vous êtes capable de mettre un petit peu plus d'efforts pour avoir un 2000$ minimum en poche? C'est sûr que c'est très intéressant. Je parle de mon cas, mais c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Chaque cas est différent. Vous devriez aller consulter une conseillère en orientation si vous avez des questions sur votre cheminement. Mais pour moi, à l'université où je vais être admise, si j'ai une cotère en haut de 28 au cégep dans ma technique, j'ai un an complet d'université de crédité, donc je fais seulement 2 ans d'université au lieu de 3, et on s'entend que l'université c'est très cher. Et pourquoi je voudrais refaire des cours que j'ai déjà fait?
Seulement en ayant une cotère de 28, ben je peux passer un an d'université et tout de suite après aller sur le marché du travail. Donc c'est pour ça que je souhaite avoir une bonne cotère et que je vise une cotère qui est assez haute. Maintenant on va passer au truc pratique pour avoir une bonne cotère, parce qu'on s'entend que c'est pas en faisant rien et en écoutant du Netflix que vous allez avoir une bonne cotère. Il faut faire des efforts et voici mes conseils pour y arriver. Premièrement, il faut se donner à 100% dès le début, dès la première session, dès la première journée, il faut se donner à 100%. C'est l'erreur que j'ai fait, j'ai pas donné mon 110% dès le début. Je mettais des efforts à la première session, mais pas autant que j'aurais dû, et j'ai eu une cotère qui était satisfaisante, j'étais contente, mais je savais au fond de moi que j'étais capable de faire plus et que j'étais capable de me donner encore plus, puis de mettre plus d'efforts et d'avoir des meilleures notes. Donc ça me dérange pas de dire les chiffres, il y a pas de problème pour moi, c'est pas quelque chose qui est personnel. Si vous avez un avis et que vous pensez que pour vous c'est pas une bonne cotère ce chiffre-là, ben faites le garder pour vous. Moi c'est l'objectif que je m'étais fixé et l'important c'est que je sois fière de moi et que je sois contente de mes efforts. À la première session, j'ai mis à peu près 90% de mes efforts et j'ai réussi à obtenir une cotère de 28.897. Donc c'est une cotère qui est assez satisfaisante. J'étais contente, mais après avoir eu cette cotère-là, j'ai appris que si j'avais plus que 28, je pouvais obtenir des cours crédités. Donc je me suis dit, c'est une motivation qui est encore plus grande pour moi, pourquoi pas? Pourquoi je donnerais pas encore plus d'efforts pour savoir jusqu'à combien je peux me rendre? Après avoir vu la conseillère en orientation, elle m'a dit que d'habitude, les gens bougent pas vraiment plus que plus ou moins un de leur cotère initial. Donc pour moi, j'allais pas vraiment baisser en bas de 27.9 ou de 29.9 si j'augmentais de 1. Habituellement, les étudiants bougent pas vraiment plus que ça, à moins de vraiment mettre zéro effort ou de vraiment avoir des meilleures notes qu'à la première session. D'habitude, les gens bougent pas vraiment plus que ça et gardent à peu près leur cotère initial. Je m'étais dit, c'est possible pour moi d'avoir 29 parce que je peux augmenter de 1 en mettant plus d'efforts. Mais je m'étais dit, vraiment mon but ultime, c'est d'avoir 30 de cotère. Mais d'après qu'est-ce qu'elle m'avait dit, c'était pas vraiment possible. Je suis vraiment fière de pouvoir dire que j'ai atteint ma cotère de 30. J'ai atteint mon but en utilisant tous les trucs que je vais vous dire plus tard. Et en mettant vraiment tous mes efforts, j'ai réussi. Donc j'ai maintenant une cotère de 30.075. Je vous dis vraiment les chiffres exacts parce que peut-être que j'aurai des questions. Et mon but ultime vraiment jusqu'à la fin de mon cégep, c'est de garder cette cotère en haut de 30. Deuxièmement, c'est très important de prioriser vos études. Si vous voulez vraiment avoir une bonne cotère, vous allez être capable de mettre les priorités à la bonne place. Ça a été difficile à faire, mais j'ai dû réduire mon nombre d'heures au travail à la deuxième session parce qu'à la première session, j'étais vraiment trop fatiguée. J'étais vraiment drainée, j'avais plus d'énergie, je savais pas où mettre la tête parce que j'avais trop de choses à faire et j'avais trop d'heures au travail. Donc j'ai réduit mon nombre d'heures, j'ai enlevé un chiffre dans ma semaine et ça a vraiment fait une grosse différence parce que ce jeudi-là, ben je pouvais faire quelque chose, je pouvais faire mes devoirs parce que c'est le jeudi que je clenchais vraiment mes devoirs. Par rapport à la première session où le jeudi je devais travailler. C'est un petit 3-4 heures qui a vraiment fait toute la différence pour moi dans mon état mental et pour mes travaux. Ça a vraiment paru. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais j'ai attendu à la deuxième session pour le faire et je suis contente et c'est ça que je vais continuer à faire prochainement. Ensuite, allez voir vos professeurs pour connaître vos erreurs, savoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, posez vos questions. Les professeurs ont toujours des périodes qui sont libres pour vous répondre, pour aller voir avec vous votre examen, pour savoir qu'est-ce que vous avez manqué. Parce que c'est très important de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas réussi, sinon vous n'allez pas pouvoir le réussir dans le futur. Si vous n'avez pas réussi un examen au début de la session, ben vous risquez de ne pas être capable de réussir l'examen final parce que cette partie-là, vous n'allez pas réussir à l'avoir compris. Ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un dans votre programme pour vous aider. C'est un bonus si cette personne-là complète vos forces aussi. Si vous êtes meilleur en français par exemple et cette personne-là est meilleure en mathématiques, ben vous pouvez vous compléter et ajouter aux forces de l'autre. Et ça va vous rendre encore une meilleure équipe. C'est ce que je fais depuis le secondaire. J'ai toujours une amie en qui je peux faire confiance, à qui je peux texter à tout moment, qui va m'aider dans mes devoirs, qui va pouvoir répondre à mes questions. C'est quelque chose qui peut faire une grande différence et qui peut vraiment beaucoup vous aider. Et je vous dis, pour moi, ça marche à tout coup. Ensuite, c'est vraiment essentiel d'avoir une organisation de béton. Si vous voulez avoir une bonne cotère, vous n'avez pas le choix de bien vous organiser et de planifier votre temps très très bien. Soyez bien organisé dans votre temps et dans votre tête. Si ma chambre est mal rangée, mon esprit va l'être aussi. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une chambre bien rangée pour pouvoir faire mes devoirs. Si vous avez des chicanes, vous êtes tout le temps stressé, votre chambre est mal rangée, ben ça va paraître dans vos travaux. Ça va paraître parce que vous ne serez jamais capable de vous concentrer. Et moi, il faut que tout soit en ordre pour que ça marche bien et que mon esprit soit en ordre aussi. Mon dernier conseil et un des plus importants, c'est de s'entourer de gens qui donnent leur 100% eux aussi et qui veulent travailler et qui veulent les mêmes choses que vous. On est influencé par les gens avec qui on se tient, avec qui on passe plus de temps. Donc si vous tenez avec des personnes qui se foutent de leurs études, qui ne mettent pas d'efforts dans leurs travaux, ben vous allez faire à peu près la même chose sans vous en rendre compte. Trouvez des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes objectifs et qui travaillent aussi fort que vous voulez travailler. C'est tout pour la vidéo parce que je sais que c'est très très long en ce moment. Je sais pas combien de temps ça fait que je
je filme. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me laisser dans les commentaires. Je vais répondre à tout le monde individuellement. D'habitude, je réponds à tous les commentaires. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner. Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Bye!